Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un phénomène qui peut provoquer de très fortes douleurs au niveau d'une articulation, la crise de goutte. Tout d'abord, sachez que la crise de goutte est due à la formation de cristaux qui vont aller se déposer au niveau d'une articulation et provoquer son inflammation. Il faut savoir que ces cristaux vont se former lorsque le taux d'acide urique est trop important dans notre organisme. L'acide urique est tout simplement une substance chimique qui vient de la dégradation des cellules qui viennent à notre organisme via notre alimentation. Donc, on va les retrouver dans les produits d'origine végétale, mais aussi et surtout dans les produits d'origine animale. Cet acide urique peut aussi venir de la dégradation de nos propres cellules lors du renouvellement cellulaire. Les symptômes de la crise de goutte sont très caractéristiques. On va retrouver une douleur qui va apparaître et qui va être intense et violente. On va aussi observer une articulation qui va être chaude, rouge et enflée. Après quelques jours, la crise de goutte va disparaître et on va avoir donc une peau qui va peler ainsi que des démangeaisons au niveau de l'articulation concernée.